Sénégal Web, c'est le Sénégal dans le web. Sénégal Web, c'est le Sénégal dans le web. Sénégal Web. Chronique à travers Sénégal Web. Sénégal. Il y a un peu plus de 50 ans, le professeur Maurice Duverger, constitutionnaliste, annonçait qu'en Afrique, nous avions non pas des régimes présidentiels, au sens où ceci supposait, n'est-ce pas, la séparation. Entre les différentes institutions qui président à la gouvernance d'un pays, mais que nous avions, quant au fond, des régimes présidentialistes où le président de la République est l'unique source du pouvoir, malgré tout le saupoudrage juridique et le folklore politique ambiant. Le président négro-africain a bien analysé est presque de type divin. Il est maître après Dieu, dont il symbolise la projection orthogonale sur terre. Dans une magnifique complexité, mais aussi complicité collective, accompagné qu'il est par ses féaux c'est-à-dire ses dungourous. Tout part de lui, tout lui revient. Il y a, comme qui dirait, un immobilisme juridique de fait, mais aussi un monolithisme politique qu'il s'agit de rénover si nous voulons arriver à une conscience noire, une conscience citoyenne dynamique qui prenne en charge les enjeux majeurs du peuple, enjeux présents, mais aussi à venir. Cependant, le paradoxe et des paradoxes est que dans la politique africaine et singulièrement chez nous au Sénégal, autant on critique le présidentialisme d'État, autant il fleurit dans les rangs même de l'opposition où les dirigeants sont presque tous auréolés d'une étoffe charismatique. En effet, tout part d'eux et tout leur revient. Ils sont les uniques chevilles ouvrières de la formation politique et sont les auteurs des mots d'ordre dont il faut se conformer sinon. On est traité de René Gat. Agitons ainsi sans oser le dire, sous le coup d'une mémoire traditionnelle qui voudrait que le chef ne soit pas contredit en aucune manière parce qu'étant tout puissant, étant un être transcendantal. Sous ce regard, il ne faut pas se voiler la face. La démocratie, terme séduisant, souhaité de toutes parts et appelé par tout le monde, est encore introuvable. Elle reste à faire. Seule une véritable éducation politique qui tienne compte des intérêts présents mais aussi à venir de la grande masse citoyenne permettra à chacun de dire son mot sans avoir peur de recevoir des sanctions ou menaces comme une pull sur le crâne. Un code de conduite politique, code républicain, bien élaboré, imbu d'une bonne moralité, doit naître des consciences citoyennes. Un code qui tienne compte de la nécessité de rendre plus autonomes toutes nos institutions. Il faut un véritable suicide de conscience pour ce faire. Nous ne pouvons continuer de chausser les bottes du diable, de la mésentente, une mésentente infernale, marcher au pas de loi à côté de régime bananières répressif. Notre héritage culturel et politique nous l'interdit. Sénégal Web, c'est le Sénégal dans le Web. Web, c'est le Sénégal dans le Web.